sait mieux que quiconque à quel point Axul est dangereux. Pourquoi vous les avez laissés lui parler? Ce ne sont plus des enfants. On ne peut pas être toujours sur leur dos. Rappelle-toi comment tu étais. Allez, Jal. Je les ramènerai. Est-ce que ça va? Trois de mes frères et sœurs ont rejoint l'Héroïka. Axul leur a empoisonné l'esprit avec sa haine des aliens. Et vos mères veulent que vous les rameniez? La forge sert de base au Roikar. Pour beaucoup, il s'agit du berceau de notre civilisation. Axul croit certainement que cette audace attirera plus de fanatiques à sa cause. Raider, il tient ma famille. Mais je ne pense pas y arriver seul. Ne vous en faites pas. Dites-moi juste où et quand. Aucune hésitation. C'est ce que j'aime chez vous. J'ai un contact qui surveille les Roikar. Je vais organiser un rendez-vous avec elle. Drak, chef, vous voilà. On se détend, Arne. Désolé, je suis pas habitué à autant d'agitation. J'ai localisé le transporteur volé sur une des lunes des Laden. Il faut que vous preniez votre vaisseau. On n'a rien de furtif, nous. Comment est-ce qu'ils ont volé le transporteur? J'avais déconnecté le système de sécurité le temps de transférer un nouvel échantillon et... Et ils sont entrés en douce par l'autre côté. Morda croit que Vorn a pris le transporteur pour aller chercher des échantillons. Je l'ai pas détrompé. Si elle découvre la vérité, elle vous fera griller les burnes à feu doux. Je sais. Oh. Merci infiniment pour votre aide. En route. Mes coordonnées devraient vous amener juste assez près pour que vous puissiez vous approcher discrètement. Qu'est-ce qui nous attend? Un groupe d'exilés du Nexus. Ils se cachent dans un vieux complexe, là-haut. Des exilés du Nexus? Des amis à vous, Drak? On s'est fait pas mal d'amis pendant la mutine. On verra. Gardons notre visite secrète autant que possible. Jusqu'à ce qu'on les descende tous, pas vrai, Raider? Oui, Drak, jusqu'à ce qu'on les descende tous. C'est une vraie porcherie. Pourquoi donc? Ils ont même pas de veilleurs à la porte arrière. Et ça vous pose un problème? Un peu d'action, ça a jamais tué personne. Et c'est le moins qu'ils pourraient faire après tout le chemin qu'on s'est tapé pour leur botter le cul. Là-bas, c'est pas le transporteur de la colonie? Si, c'est ça. La chambre de semences a intérêt à être dedans. Et si elle y est pas? Je rase cet endroit, et tous ceux qui s'y trouvent, jusqu'à ce qu'on la tienne. Ça me convient. Cet endroit est pitoyable. Je vous l'avais dit. Tirer sur ces types, c'est gâcher des munitions. Vous auriez pas dû nous faucher notre transporteur. Admirable. On me le dit assez souvent. Évidemment.
tout de suite! Cette chambre de semences a intérêt à être intacte. Sam, tu peux amplifier ce signal de transmission? Je vais essayer. Aaron, on a un problème! Réveillez-vous! Arrêtez-les! Quoi? Il a bien dit Aaron? Ça veut dire que Spender est dans le coup? Ça expliquerait comment ils ont obtenu les codes. Aaron, on va avoir une petite conversation, vous et moi. J'en connais un qui est rancunier. Je lui ai redonné de la rancune, moi. Il est temps qu'il s'organise. Vous êtes bien trop heureux qu'on vous tire dessus. Il y a beaucoup d'interférences ici. Toujours pas de nouvelles de votre couetteur de burnes? Commence à se faire la main. Si vous... vous dites... Vous imaginez pas ce qui vous attend! Dites, Drac... Pourquoi vous n'êtes pas resté à la colonie Krogan? C'était plein de gamins qui me demandaient toujours plus d'histoires de guerre. Morda avait la situation en main, pas besoin qu'une relique dans mon genre traîne dans les parages. Alors, je suis parti à la chasse aux guertes. On verra ça quand on ne sera pas en train de nous tirer dessus. Par là-bas. Je vois un chemin de l'autre côté. On pourra peut-être passer en déplaçant ça. Prennent des forces. Comme si ça allait les aider. Allô? Vous m'entendez là-bas? Je reconnais cette voix, c'est notre botaniste, Vorn. Pionnier, Drac, c'est vous? Je comprends pourquoi les pirates appelaient des renforts. Qu'est-ce que vous faites là? Je faisais l'inventaire sur le vaisseau quand les pirates l'ont volé.
tout s'est passé si vite, j'ai pas eu le temps d'appeler à l'aide. Ok, trêve de plaisanterie, revenez ici. J'aimerais bien, mais j'ai dû m'enfermer dans un des conteneurs pour leur échapper. Je crois bien qu'ils veulent ma peau maintenant. Bien sûr, c'est maintenant qu'ils se préparent à décoller. Oh, c'est vraiment pas le moment. Je crois qu'ils ont compris ce qui nous amène. Faut pas qu'ils s'échappent. Sans la chambre sur ce transporteur, la colonie est condamnée. Ils sont bien décidés à nous abattre. Drac, d'abord le transporteur ou Vorn ? Vous savez de quoi la colonie a le plus besoin. Montrez-nous le chemin et on s'occupe du reste. La chambre de semences nous servira à rien sans le gamin. Alors on va le chercher. Vorn, on vient vous chercher. Sans respecter les traditions du clan. Enfin, les jeunes de nos jours. Arwan ! Venez ici, qu'on puisse causer ! Pas question, Krogan. Voler le transporteur, ce n'était que la première étape. On va faire payer le Nexus et les Krogan. S'il y a une chose qui va être détruite aujourd'hui, c'est vous. Et cet endroit, et puis votre chef, et peut-être bien toute votre équipe, en fait. Donc ouais, il y a un tas de trucs qui vont être détruits, mais ils sont tous à vous. On retrouve Vorn, et puis le transporteur. Et ensuite, je m'occupe d'Arohan. Vous n'aviez jamais parlé de Vorn jusqu'ici. Hey, c'est le botaniste du clan. Ce gamin est vraiment doué pour cultiver des trucs. Mais il a aucun instinct de survie. Zéro. C'est un miracle qu'il soit arrivé à l'âge adulte. Vorn, des nouvelles ? Il se contente de tirer sur la porte. Pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Je crois que vous approchez. Le signal de transmission de Vorn est là-haut. Je suis dans le conteneur de droite. Cet endroit tombe vraiment en ruine. Tant qu'il attend qu'on soit parti pour finir de s'écrouler. Salut les gars. Attention! Ah. Ah.
Non ! Ça va ? Vous êtes blessé ? Je vais bien. Je vais bien. Ah ! À quoi vous pensiez ? Qu'est-ce qui vous a pris de faire ça ? Il allait vous tirer dessus. La colonie peut très bien survivre sans moi. Mais sans vous et ce qu'il y a dans votre foutue cervelle, notre peuple n'a pas d'avenir. Vous faites comme si vous n'étiez pas indispensable, mais c'est faux. On a besoin de vous. Vous êtes plus qu'un vieux soldat. On sait ce qu'on a perdu parce que vous l'avez vécu. J'ai des échantillons à récupérer avant de partir. Parlez-lui, vous. Vous prenez beaucoup de risques quand vous vous sentez attaqué personnellement. Je protégerai toujours mon clan, Ryder. Vous ne protégerez pas grand-chose si vous êtes mort. Vous y mettez pas aussi, merde ! On n'a pas le temps. On a un transporteur à récupérer. Je suis prêt à partir. Bougez pas, vous. Hors de question que je dise à Kesh que vous vous êtes fait tuer comme un abruti. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Attention, j'arrive ! Salut. Drac, la chambre de semences est encore sur le transporteur. J'ai fermé les verrous avant qu'il l'attrape. Bien vu pour les verrous, Vorn. Merci. Prenez pas la grosse tête, vous vous êtes quand même fait choper. Bien, chef. 30 crédits. La petite passe à cause de ce down. Allez, à vous, c'est fort. Pourquoi ils sont grandis ? Marwan sait qu'on ne plaisante pas. Ouais, et ben bien fait pour sa gueule. Un mécafandre. Il va pas servir. Voilà le transporteur. Vorn, prenez le contrôle des amarres et maintenez-les en place. On vous couvre. Ok. Ça fait beaucoup de pirates.
l'avait caché. Mission accomplie. Par un geste. Vous. Je prends ce transporteur. Arwan, vous ne savez pas ce que vous faites. Je sais exactement ce que je fais, pionnière. Ne vous en faites pas. C'est pas de moi dont vous devriez vous inquiéter. J'ai un mauvais pressentiment. Attendez! Non, attendez, n'approchez pas plus. Seuls les Krogan sont immunisés. C'est sacrément fort, ce truc. C'est l'heure de sortir les poubelles. Mon premier test sur un spécimen vivant. L'effet ne dure pas, mais il agit vite. Ce n'est que du bluff! Est-ce que j'ai vraiment bien compris, là? Non, non, attendez! Ne me lâchez pas! Il faut qu'on découvre ce que Spender manigance. Et puis, il faut savoir s'arrêter. Je savais que vous diriez ça. Bon, ramenez-le au Nexus, alors. C'est loin d'être aussi drôle qu'une bonne chute libre. Je vous crois sur parole. Je vous dirai tout ce que je sais. La ferme, sale petit merdeux. On vous laisse en vie, pour le moment. Je reconduis ce transporteur à sa place. D'avoir cette conversation. Je sais pas, ça coûte rien de l'écouter. Vous m'emmerdez tous. Laissez-moi donc être vieux et grincheux si ça me chante. Merci de m'avoir aidé à récupérer le transporteur de la colonie, Ryder. De toutes les conneries possibles. C'est ça, la vie à la frontière. Vous auriez dû me laisser tuer Arwan. Ça aurait été plus simple. Et plus sûr. Il nous est plus utile vivant que mort. Ouais, si on veut. Je pourrais toujours le tuer plus tard. J'ai hâte de clouer Spender au mur. On finira par l'avoir un jour ou l'autre, comme Arwan. J'espère que ça va pas tarder. J'ai des projets pour lui. Oh, écoutez-moi, Ryder, vous me connaissez depuis assez longtemps pour le savoir.
Je suis un vestige, un symbole du passé, de l'époque où les Krogan étaient déterminés à causer leur propre destruction. J'ai rien faire d'autre que me battre et tuer. Pour que mon clan, pour que Kesh ait un avenir, il vaut peut-être mieux que j'en fasse pas partie. Votre clan a besoin de vous et moi aussi. On doit se serrer les coudes. Vous avez déjà choisi mon peuple une fois, non? Mais oubliez pas qui vous encouragez. Désolé, assouplir les restrictions. C'est juste une mesure que beaucoup jugent dangereuse. Kadara est le port du peuple. Nous avons survécu au Kert, subi les insurgés. Désormais, je sens que ça va plaire à Drak. Pour assouvir nos ambitions chez nous. Vous êtes sur SIH. Cet endroit me rassure pas. Si les cartes vous trouvent... Alors on défendra la station, c'est tout. On a tout ce qu'il nous faut sur Spender. Ça fait près d'un an que j'attends ce moment. Prête ? Allons voir Spender. Ce serait sympa de ramener à Morda sa tête au bout d'une pique. Ça ferait un joli cadeau. J'ai presque envie de vous laisser le faire. Rigolez pas, j'en suis capable. Enfin. Je n'ai pas eu le choix. Arwan a dit qu'il me tuerait. Vous avez aidé les mutins, Spender. Ça, c'était délibéré. Vous n'aviez qu'à demander de l'aide. Mais vous avez préféré mettre tout le monde en danger pour sauver votre peau. Allez-y, continuez de vous compromettre. Dites-nous tout ce qu'ils vous ont forcé à faire. Qu'est-ce que vous en savez, pionnière? Vous n'étiez pas là pendant la mutinerie. Vous êtes fini, l'ami. Et avec un peu de chance, ils vous livreront à moi. Tout ce que dit la pionnière est vrai. Voilà la preuve. Un brouilleur plein de registres, dont des transferts de crédit aux exilés. Ça dure depuis la mutinerie. Il efface des fichiers, vole du matériel, communique avec eux. On a les aveux d'Arwan, l'un des exilés. Arwan, cette fois j'enregistre. On travaille avec Spender depuis la mutinerie. Il nous fournit armes et provisions, tant qu'on met la pression sur les Krogan. Je ne sais pas ce qu'il a contre eux, mais il les déteste vraiment. Je peux même pas imaginer les dégâts qu'il a causés. Parce que vous n'avez rien à vous reprocher, Kandros? Nous voulions tous voir les Krogan partir. Je n'ai fait que faciliter les choses. Les exilés pensent que je travaille pour eux, tout comme vous, vous pensez que je travaille pour vous. C'est ça, la politique. Et tout ça juste sous nos yeux? Spender, merde! Les Krogan sont partis. Spender a joué sur les deux tableaux uniquement pour obtenir une promotion. Vous ne pouviez pas le deviner. Non, non. On m'a donné plus d'une raison d'être méfiante. J'ai simplement préféré fermer les yeux. Tan ne voulait pas me lâcher avec cette histoire de Krogan. Je me suis laissée distraire. Vous avez une chance de vous racheter. Et si vous commenciez par prendre notre parti, quand mon clan essaiera de négocier avec Tan? Vous avez besoin de nous. Et pour être honnête, on a besoin de vous. Vous avez raison. Je vous soutiendrai. Nous ferons les choses correctement cette fois. Et lui, alors? On l'enferme. Ça ne sera pas le dernier, mais il fera figure d'exemple. Vous allez me jeter dans une cellule, comme ça? Ça pourrait être pire. On pourrait vous jeter de la station. Pensez à ça, deux minutes. Merci, Ryder. Vous imaginez pas comme je suis content que cette affaire soit réglée.